Eh bien, salut tout le monde, c'est Matt et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très particulière, car c'est l'épisode 0 de la Survival Adventure, bien sûr. Donc, avant qu'il y en ait, il se pose beaucoup de questions. Pourquoi la main est à gauche? Tout simplement parce que je suis gaucher, hein, parce que sinon j'aurais laissé à droite, je pense. Aussi, faut savoir que cette vidéo, je l'ai tournée une première fois, et là c'est une seconde fois. Donc, en gros, ce que vous voyez, ben, ça a déjà été tourné, moi je reparle par-dessus. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est comme, par exemple, admettons, j'ai fait une vidéo, ma voix, elle s'est pas enregistrée, du coup je reparle par-dessus. Voilà, en gros c'est ça. Tout simplement, pourquoi? Tout simplement parce que bah, c'était un test de la 1.9. Voilà. C'était un test de la 1.9 parce que je venais d'apprendre qu'elle était sortie. Et je me suis dit, bah, fallait bien l'essayer. Donc voilà. Et pourquoi il n'y aura pas d'épisode avant un moment? Tout simplement parce que j'aimerais attendre avant que... la 1 point... que Optifine sur 1.9 sorte. Voilà, donc dans cette version, faut savoir que j'ai appris 2-3 petites choses qu'on verra après. Par exemple, faut savoir que je m'étais absolument pas renseigné. Le seul truc que je sais, c'est qu'il y a les élytras, là, les ailes qui permettent de voler, qu'il y a le changement des mains, et vous allez voir que je vais m'apercevoir de 3 petits trucs qui vont me déranger. Donc là, j'ai appris qu'il y avait le retour des collisions. Donc ça a un petit peu fait bizarre, mais bon, ça sera très vite réglé. Oui, donc pour ceux qui se demandent, la map, c'est un seed, d'accord? Parce qu'une fois, j'ai voulu faire un solo, histoire de l'élire, et j'étais tombé sur cette map, et je l'avais tellement bien aimé que je me suis dit, on va arrêter, et je vais laisser... la map pour la survie à l'aventure saison 2 quand je la ferai. Donc le seed va apparaître là maintenant en dessous. Hein, donc je penserai à le mettre. Voilà, donc là on est en train de récupérer à manger, hein, c'est magnifique. Alors faut savoir que ça fait très longtemps que je n'ai plus touché à Minecraft en fait. En fait, Minecraft, pour tout vous dire, ce sera sans doute une des dernières saisons de la survie à l'aventure. Je vous avais dit que je ferai une saison 2, donc je la fais, mais... tout simplement parce que à la limite des séries sur Minecraft j'en ferai, mais tout simplement parce que Minecraft c'est un peu, comment dire, je sais pas comment expliquer ça, c'est un petit peu le désespoir pour moi parce que je trouve que ça perd un petit peu en sucette, même si je suis assez étonné, enfin j'ai hâte de voir ce qu'il contient cette version. Mais disons que moi je me rappelle, j'ai pas connu Minecraft dans ses débuts, mais ça fait un moment quand même que je connais Minecraft. Je crois que j'ai connu Minecraft à la 1.7, si je me trompe pas. Non, j'avais connu Minecraft à la fin de la 1.5, donc au début 1.6. Voilà, donc je me rappelle la version, hein. Et j'étais assez étonné. Au début, enfin, assez étonné maintenant, hein, parce qu'avant, j'adorais Minecraft, je jouais assez souvent, c'était sympa, je découvrais des choses. J'avais du plaisir à jouer là depuis quelques temps. En fait, pour vous dire, le solo ne m'intéresse plus. Alors, je le fais parce que là, je veux découvrir ce qu'il y a de nouveau, hein. Je sais qu'il y a des trucs nouveaux dans l'Inde. Alors, vous devez être sans doute bien au courant, mais pas moi. Et j'ai tellement hâte de voir ce qu'il y a dans l'Inde, mais je pense que je me connais. Une fois que j'aurai tout découvert dans Minecraft, une fois que j'aurai découvert ce qu'il fallait découvrir dans cette version, ben j'arrêterai de jouer, je ferai des mini-jeux à la place. Donc là, j'étais en train de me dire, dis donc que mon pack de textures a changé le soleil ou quoi, parce qu'il était beaucoup plus détaillé. Je trouvais. Donc là, on est en train tout petit peu de marcher. Donc je ne vais jamais regarder un PNJ. Je vais jamais le regarder ce qu'il vend. Voilà. Donc là, on a trouvé la maison où j'allais m'installer. Donc là, j'ouvre l'inventaire. Je vois que je n'ai pas de table de craft. Voilà. Donc c'est très.
C'est vraiment l'épisode 0 où je teste un petit peu le début, hein. Vous allez voir qu'à un moment donné, je vais être assez étonné de quelque chose. Et c'est après que j'ai pensé, c'est après que j'ai pensé à l'ajout en fait. Enfin, vous allez comprendre. Donc là, je viens de me rendre compte que j'ai pas pris du bois. Il y a mon chat qui vient de rentrer. C'est magnifique. Je sais pas si je l'ai précisé dans le début d'épisode, mais je suis malade en fait. Donc, c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo parce que j'ai du temps. Mais la vidéo est assez courte parce que je suis, mais à un point crevé, les amis. Je suis tellement fatigué. Faut me croire. Donc, voilà, je découvre. Là, je remarque qu'il y a un petit bug de texture que j'arrangerai plus tard. Je ne sais pas si je l'ai dit au début de l'épisode. Mais l'épisode 1 sortira seulement quand Optifine sera sorti. Parce que comme vous pouvez le voir, j'ai des assez gros RAM. Assez incroyables. Ouais, bon. Donc là, je suis assez content, on va dire. Là, je regarde. En fait, je commençais à regarder si tous les trucs, tous les petits carrés n'étaient pas buggés ou quoi, parce que je me posais la question pourquoi ils ont fait ça, enfin pourquoi ils ont mis le truc comme ça, enfin c'est compliqué mais bon, je pense que vous me comprenez. Donc là je fais du petit pain, du pain tout court. Voilà. Vraiment je sais pas trop quoi dire parce que je ne sais pas quoi penser de cette version tout simplement. Elle me donne peu d'informations, j'ai envie de dire. Je crois que les plus grandes informations, c'est au niveau du PVP. J'avais oublié, mais c'est vrai que les coups maintenant ne sont plus spam click, et ça va être génial. Ça, c'est peut-être le meilleur ajout qu'ils ont fait dans cette version, je pense. Le spam click, parce que vraiment, c'était débile, je trouve. Celui qui spam click le plus rapidement, eh ben, il a gagné. C'était vraiment débile, je trouve, le coup du spam click. Moi, je préfère des coups chargés, réguliers et tout ça. C'est peut-être parce que je sais pas moi, quand je joue, enfin, c'est peut-être parce que je ne suis pas d'habitude dans ce genre de jeu-là. Peut-être plus dans le style genre Assassin's Creed, Zelda, tout ça. Où t'as un temps en fait pour des coups en fait. Enfin tu peux pas spam les coups dans Mario, Zelda ou ce que tu veux. Faut toujours attendre que l'animation se termine et ensuite tu peux redonner un coup. Et c'est des coups par rythme et ça je préfère. Vraiment ouais, c'est peut-être parce que du coup ça donne plus l'accès aux stratégies. Parce qu'avant dans Minecraft t'avais pas trop de stratégie, c'était soit tu y vas discrètement, tu le butes par derrière et puis t'as une chance de gagner, ou soit tu fonces tête baissée et tu gagnes aussi. T'avais pas réellement de stratégie, là plus les t'avais ces stratégies-là, ou alors tu courais en arrière pour fuir et tu revenais, tu vois, c'était pas la meilleure de toutes les stratégies. Et là je constate que en fait je peux pas piocher. Alors je fais maintenant pourquoi? Puis je me dis ah, peut-être que si j'échange et tout que je fais ça. Et puis je me dis à ce moment-là, eh mais faudrait peut-être que je mette de la bouffe à la place. Donc voilà. Mais je découvre, je ne suis pas mécontent, hein, j'aime bien pour l'instant. Voilà, ça change. On ne dirait plus qu'on est dans Minecraft, on dirait qu'on a installé un mode. Mais voilà. Alors là, ce que je cherche. Si vous pouvez me renseigner, c'est de toute façon je cherchais de mon côté, mais l'endroit où on peut changer, on peut voir la durabilité du coup en fait. Quand on charge, on a une sorte de durabilité et je cherchais où c'était, j'ai pas trouvé. Donc du coup, si vous pouvez me le dire. Enfin, de toute façon, je chercherai de mon côté, je pense, mais. Voilà, hein, faut dire que ça a tellement changé, mec. Enfin, il y a beaucoup de choses que je comprends pas avec ce jeu. C'est. Donc là, par exemple, je vais voir un creeper. Donc voilà. Et je vais être assez étonné de quelque chose. Alors, vous allez voir ça. Regardez, je vais lui donner un coup.
Et puis j'ai essayé de parer avec mon épée et ça a pas marché. Et je fais, ah d'accord, bon bah il nous faut en fait l'ajout de cette version, c'est-à-dire le bouclier. Et j'étais assez étonné quand même qu'ils enlèvent le parage à l'épée. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Et du coup, je descends ramasser ce qu'il a cassé. Voilà. Et là, je me dis, je pourrais mettre de la bouffe dans la deuxième main. Donc c'est ce que je vais aller faire normalement bientôt. Et donc oui, donc je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Il y a des trucs que je comprends pas sur Minecraft, c'est que Minecraft, alors attention, je ne vais pas mettre en cause si c'est un jeu bien ou pas Minecraft. Je trouve que Minecraft est un bon jeu, ça y a pas de problème là-dessus, Minecraft reste un très bon jeu. Mais il y a un truc que je ne comprends pas dans Minecraft, c'est pourquoi, et ça je demande à la communauté Minecraft parce qu'il y a que vous qui peuvent me répondre. C'est pourquoi? Pourquoi vous adorez ce jeu à un point de jamais vous en lasser? Parce que moi, Minecraft, c'est sûr que j'y joue beaucoup. Mais voilà, quoi. C'est pas. C'est un bon jeu, mais c'est pas le. Pour moi, je dirais loin de ça que c'est le jeu du siècle. Moi, des fois, quand j'entends des abonnés. De quiconque youtubeur, enfin que j'entends, que je lis, et que j'entends de mes amis parler de Minecraft, c'est le meilleur jeu du monde, et ça j'ai un peu de mal à le comprendre, parce que y a, pour moi je trouve qu'il y a des jeux mille fois mieux de Minecraft, parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a des choses qui se produisent, parce que c'est intéressant, et Minecraft reste quand même au-dessus de tout ça, et c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Attention, je dis pas que Minecraft est nul, hein, ça, loin de là, Minecraft reste un très bon jeu. Mais donnons un exemple, ce qui est bien dans Minecraft, c'est que tu es libre de faire un petit peu ce que tu veux, et ça c'est une très bonne chose. Et les mini-jeux aussi qui sont faits, hein, en fait ce qui fait la vie de Minecraft, ce sont nous en fait, c'est nous qui faisons la vie de Minecraft, parce que... C'est tellement nous qui choisissons ce qu'on va faire que voilà. Mais je trouve que ben justement, t'es trop lâché. Hein. Ce qui serait bien moi, comme ajout de Minecraft, et là que je comprendrais que ce serait un très bon jeu, là je constate qu'il y a un biome derrière le désert en fait. L'ajout qui me ferait vraiment plaisir qu'il y aurait un jour dans Minecraft. Et que je comprendrais peut-être un petit peu mieux que Minecraft serait très très bien et que tout le monde aimerait. Parce que Minecraft, pour moi, je pense qu'il y a des jeux 2 fois mieux que Minecraft. Voilà, mais là où je comprendrais pourquoi Minecraft est un très 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 bon jeu, c'est un jour s'ils ajoutent des missions. Hein. Alors là ils vont faire mec tu te rends compte de ce que tu dis? Mais pas des missions style mais on va reprendre l'exemple d'Assassin's Creed, hein, pas tu vas voir quelqu'un et t'as une mission et puis hop tu défonces tout. Non, non, c'est un PNJ qui te dit je sais pas moi là-bas il y a un temple, tu vas tuer le boss de ce temple et quand tu reviens tu me donnes ce qui t'a looté et moi je te donne je sais pas moi un niveau un peu comme quel style de jeu c'est ça? C'est des jeux avec des quêtes comme ça, un peu comme un jeu qui me passe par la tête comme ça, Dofus. Voilà, Dofus par exemple, c'est un jeu libre et t'as des PNJ qui te donnent des petites quêtes sympathiques. Et je trouve que si les PNJ de Minecraft te donnaient des petites quêtes sympathiques, c'est un exemple totalement au hasard, hein, Dofus, mais. Je pense que, admettons que t'as un PNJ qui te demande, je sais pas moi, va tuer 13 moutons et rapporte-moi 13 côtelettes et t'auras ça, et je te donne ça, et puis ça pourrait être sympa. Une sorte d'ajout comme ça, et je pense que là, Minecraft serait un jeu pour moi presque parfait. voilà. Là, je constate, pour les bruits en fait, ils ont changé les bruits. Et que je trouve pas si dégueulasse que ça. Voilà. Donc là, l'épisode est très bientôt fini, je constate.
Donc je vous rappelle que l'épisode 1 sortira quand Todd Tiffin sera présent. Donc ça se trouve il sortira même plus tard parce que je vérifierai pas sur YouTube s'il est arrivé. Je vérifierai par moi-même. Oh, il y a un petit truc qui est apparu, ce n'est pas grave. Hein. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et moi, je vous dis ciao et à la prochaine. Bye tout le monde.